Exemple, grave disease. La chaleur est intolérable. Mais la paix peut devenir un coup si on prend trop de médicaments. C'est le froid qu'on ne peut pas tolérer. On ne pouvait pas tolérer la chaleur. Maintenant, on ne peut pas tolérer le froid. Thank you.
se pegue conta, contrôler le nombre de sécurité pour faire des tests souvent. Quand on avait l'habitude de transpirer trop, maintenant on a la peau sèche. La peau graisseuse, la peau sèche. Vous prenez vos médicaments. Vous les laissez souvent. Qu'est-ce que vous préférez? La peau graisseuse. Ici c'est la constipation, ici c'est la diarrhée. La constipation c'est pas bon. Véganeur. Ne forcez pas trop avec véganeur. La diarrhée vous fait le dos. Déshydratation. Plus vous avez un sommeil, c'est pas bon du tout. Ne mettez pas les mains ici. Et le système nerveux est en grande attente. Vous ne pouvez pas dormir, mais c'est rien. Quelque chose. Vous en avez. Voltiger un mur, c'est comme si vous avez un chien, oui, après vous, vous êtes capable de voltiger un mur très haut, c'est comme ça, le central nerveux système vous met, voilà. Et quand vous avez ou le cœur des palpitations, comme si vous avez peur de quelque chose, non. Vous n'avez pas peur. C'est la maladie qui vous donne des palpitations. Tachycardie. Tandis que vous reposez, vous avez un tachycardie. Le cœur ne va pas vite. Vous avez dit.
de aquí, ready. De aquí, ready. Quand le cœur bat, bat fort, bat vite. La fin, il est fatigué. Ok? Il est fatigué, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi quand on a des complications, il faudrait contrôler moniteur. Vous avez monitoring, contrôler. Le cœur peut tomber. Le cœur peut faillir. La COVID, pas les médicaments sont pas prêts. Contrôler les palpitations. Vous voulez bradycardia? Bradycardia. Vous êtes déjà à l'eau. Vous êtes déjà apathique. Et maintenant, si vous avez une maladie, on vous donne une sédation. Bon. Maintenant, vos respirations vont tomber, vont faillir. Vos médicaments, vos hormones, le remplacer. C'est simple. Et puis contrôler si elles sont toujours à la mesure exacte. Ou bien qu'elles, vos hormones ne sont pas basses. Vous devez consommer. Ici, on n'a pas de complications. Le disease, le médicament pour la palpitation, où il est. L'empêcher que le cœur va tomber. Contrôlez votre rentrée. Le rythme de votre cœur. Pour éviter les complications, si les nombres sont normales, on peut diminuer considérablement les médicaments. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir les effets des médicaments. De poids, de surpoids. Pour vous, elle se plaint de perdre le poids.
demain vous êtes, vous pouvez peut-être dans une position pour dire j'ai faim. Si vous contrôlez vos hormones, vous prenez les médicaments, parce que il n'y a pas une seule dose quand les comprimés, quand les hormones commencent à baisser, le docteur baissera la dose de médicaments. Voilà, à terre. Je vais dire. Pour Hypo, on peut être l'eau. Mais c'est pas pour l'eau. C'est pas inquiétant. C'est pas pire. Et seulement consommer du iode. C'est quelque chose qui arrive à la femme. C'est quelque chose à la femme. Il faut savoir. Il faut contrôler ces hormones-là. Quand il fait ce problème de sel, il faut prendre avec. La qualité de sel, quelle qualité de sel, c'est iode qu'il faut prendre quand on est hypo. C'est facile. C'est comme si on n'avait pas de malade. Seulement, c'est de la nutrition qu'il faut contrôler. De se servir de l'iode. Et si on a l'habitude de prendre trop d'iode, on peut arriver à être à ces choses sont très importantes.